Visiteurs, il n'y en a plus. C'est donc le temps de la période des questions. Député de Prince Edward Hastings. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Il y a plusieurs déclarations contraires qui ont été faites ici en Chambre hier. Il a dit, je cite, la CRE a assuré mon ministère qu'elle avait fait tous les efforts afin d'être, de bien répondre aux demandes d'accès à l'information de la vérificatrice générale. Pourtant, la vérificatrice générale dit qu'il continue de dire qu'il coopère, mais il ne signe pas la déclaration de gestion qui disait que tous les documents avaient été rendus. Donc, quelqu'un ici ne dit pas la vérité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Énergie qualifie la vérificatrice générale de menteuse? Intervention du Président. Vous marchez sur une ligne qui est très fine ici. Faites attention. Le ministre de l'Énergie. Merci encore une fois. Nous travaillons avec la vérificatrice générale à plusieurs reprises. Nous travaillons avec la CRE. Et évidemment, lorsque cela a été souligné, nous avons parlé avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, la CRE, et on nous a assuré à mon ministère que la société a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de bien répondre aux demandes d'accès à l'information de la vérificatrice générale. Ils ont donné des centaines de réponses. Ils ont établi des bureaux tout particuliers pour le personnel de la vérificatrice générale afin qu'ils puissent travailler dans les bureaux de la CRE. Et donc, du point de vue de la CRE, on répond à toutes les exigences. Complémentaire. Quelqu'un ne dit pas la vérité ici. Quelqu'un essaie de cacher quelque chose. La vérificatrice générale a dit qu'on lui a bloqué ses rencontres. La vérificatrice générale n'obtient pas les documents dont elle a besoin et on parle ici d'une haute fonctionnaire indépendante de l'Assemblée. Elle a dit qu'on l'a bloqué de certaines réunions dont elle a demandé quand est-ce que se tiendraient certaines réunions. On ne lui a pas donné la réponse. Et lorsqu'on parle de ces rencontres, la CRE prétend avoir accommodé chaque demande de la vérificatrice générale. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Énergie attaque la crédibilité d'un haut fonctionnaire indépendant de cette Assemblée, la vérificatrice générale? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons aussi une société indépendante, la CRE, qui a informé le ministère qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'accommoder les demandes de la vérificatrice générale. La vérificatrice générale a rencontré le conseil d'administration, elle a rencontré le comité de vérification et par sa vérification, le personnel de la vérificatrice générale avait accès au personnel de la CRE pour poser des questions. Comme je l'ai dit, la CRE fait des accommodements afin de pouvoir répondre à toutes les questions et essaie d'être le plus accommodant possible au cours de ce processus. La vérificatrice générale a demandé plus de 40 rencontres qui ont eu lieu entre le personnel de la vérificatrice générale et celui de la CRE. Elle continuera à travailler avec la vérificatrice générale, tout comme le fait notre ministère. Complémentaire final. Eh bien, je suis certaine que la vérificatrice générale a bien hâte de voir ce genre de coopération continuer, alors qu'elle continue à faire face à des problèmes pour ces rencontres. Le ministre de l'Énergie a dit hier, les familles de l'Ontario et les PME paient maintenant moins en moyenne sur leur facture que tout autre territoire de compétence. Il a dit ça hier, Monsieur le Président. Et vous savez quoi? C'est des nouvelles pour les gens qui ont de la difficulté à payer leur facture d'électricité à l'échelle de la province. Lorsque vous incluez tous les coûts qui sont impliqués dans ces tarifs, les tarifs sont bien plus élevés. Et donc, voici ma question au ministre. Mais dans quel monde imaginaire est-ce qu'il vit? Le ministre, on vit dans un monde
que l'on continue d'améliorer la situation, où l'on continue d'améliorer la situation des familles ontariennes, où nous retirons 25 % de, donnant un rabais de 25 % sur les tarifs d'électricité, un monde où on reconnaît le changement climatique alors que l'opposition ne le reconnaît pas, un monde où on a fermé l'utilisation du charbon pour la production d'électricité, Monsieur le Président, alors que l'opposition a voté contre. Un monde où nous avons des programmes pour la population de cette province, au contraire de l'opposition qui veut faire des compressions, des compressions, des compressions. Nous nous assurons que nous allons rassembler tout le monde dans cette province alors que l'opposition ne fait que critiquer. Le député des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation va retirer ses propos. Le ministre sera averti s'il ne retire pas ses propos. Nouvelle question. Député de Prince Edward Hastings. Merci, Monsieur le Président. Ma question à la Première ministre. J'aime bien les jeux à la télé et on a notre propre jeu télévisé ici. Elle aime jouer avec les chiffres. Voici donc une question. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Le début était correct et maintenant nous sommes dans une position où on doit passer aux avertissements. Donc, nous passons aux avertissements. Termine votre question. Merci à la Première ministre. Ma question, c'est quel scandale est la fierté de la Première ministre? Est-ce que c'est le 8 milliards de dollars sur la cybersanté? B, 2 millions sur les compteurs intelligents? C, le 1,1 milliard de dollars pour l'annulation des centrales au gaz? Ou D, le 4,5 millions de dollars en salaire qu'elle a donné au PDG d'Hydro One? La Première ministre. Eh bien, je ne vois pas mon travail comme étant un jeu. Je ne vois pas le travail que quiconque fait ici comme étant un jeu. On parle de la vie des gens, on parle de la capacité des gens de donner une bonne éducation à leurs enfants. Donc, de quoi est-ce que je suis la plus fière? Ma fierté, c'est que dans cette province, un enfant qui commence l'école, parfois à l'âge de 3 ans, qui peut commencer à 3 ans, aura le jardin d'enfants à temps plein, qui peut obtenir des médicaments d'ordonnance gratuitement, et que lorsqu'il recevra son diplôme, qu'il puisse obtenir des droits de scolarité gratuits, et c'est que cet enfant puisse trouver un emploi ici dans cette province parce que nous attirons des emplois ici dans la province. Voilà ce dont je suis fière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas que nous en sommes aux avertissements. Complémentaire. Monsieur le Président, je suis déçu, je n'ai pas eu de réponse à ma question. Peut-être que le Président peut-être a décidé de choisir la réponse E, toutes ces réponses. Voici une autre question à choix multiple. Quelle mauvaise gestion est le plus grand gaspillage selon la Première ministre? A, 400 millions de dollars sur le fiasco Presto. Intervention du Président. Oui, le député est averti. Continuez. Donc, A, c'est 400 millions sur les prestos, sur la carte Presto. Le 300 millions de trop sur les jeux Pan Am. La vente d'Onterra qui a été vendue à perte de 61 millions. 36 millions de dollars sur la bureaucratie pour les Airlis. Ou E, toutes ces réponses. La Première ministre, encore une fois, je ne vois pas mon travail ici comme étant un jeu. Donc, de quoi est-ce que je suis la plus fière? Je suis fière que cet enfant qui a reçu son diplôme du Collège de l'Université a obtenu son emploi, qu'elle a été en mesure d'assister aux Jeux Paname et Parapaname, qui ont été une grande réussite. Et je suis fière qu'alors que ce jeune vieillit... Intervention du Président, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, vous êtes averti.
Veuillez terminer. Que si ses parents ou ses grands-parents ont besoin de soins, que les soins sont disponibles pour cette famille, qu'il y a des préposés de soutien au service à la personne qui sont disponibles parce qu'on a augmenté leur salaire. Nous avons aussi augmenté le salaire minimum pour la population au grand large. Et je suis très fière que ce jeune, lorsqu'il prendra sa retraite, aura une sécurité de retraite. Complémentaire final. Monsieur le Président, la Première ministre ne réussit pas ce test très bien ce matin. Ils ont diminué les normes tellement qu'elles pourraient peut-être passer quand même. À la Première ministre de nouveau. Nous savons que le gouvernement va nous plonger dans l'encre rouge avec le budget 2018 cet après-midi. Mais à combien s'élèvera le déficit cette année? Donc, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Elle a dit que ce sera un déficit modeste. J'aimerais avoir le vrai chiffre. Combien de milliards en déficit? Est-ce que c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5, 6, 7, 8? À quel niveau se retrouvera le déficit? Encore une fois, je ne peux pas compter jusqu'à la fin de mes jours. À combien s'élèvera le déficit? La Première ministre. Monsieur le Président. Intervention du Président. Oh, vous le savez. Premier. La Première ministre. Monsieur le Président, le contraste entre l'opposition et notre vision devient clair. Alors que l'on parle des compressions, du déficit social et des dommages qui devraient être causés à la province. De ce côté de la Chambre, on parle de 100 000 places en garderie, les droits de scolarité gratuits pour certains jeunes, le fait que des millions d'enfants obtiennent déjà, en fait, des médicaments d'ordonnance gratuits. Ce sont les investissements que nous faisons parce que nous croyons qu'un déficit en soins nous coûte beaucoup plus cher. Nouvelle question. Député de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre ce matin. The question is quite simple. La question est simple. Est-ce que le gouvernement libéral croit à l'accès universel? Est-ce que le gouvernement libéral croit à des programmes universels? La Première ministre, Monsieur le Président, je crois que si la députée étudie la façon dont nous avons mis en place le régime d'assurance médicaments maladie plus, que nous avons des millions d'enfants qui peuvent maintenant avoir accès à 4 400 différents médicaments d'ordonnance. Si on regarde le plan pour les aînés que nous déposerons aujourd'hui, afin de nous assurer que les médicaments d'ordonnance pour les aînés soient complètement gratuits, universellement, ces 4 400 médicaments seront aussi accessibles. Et donc, oui, nous croyons à l'universalité. Regardez notre plan d'éducation préscolaire. Oui, nous croyons à l'universalité. Complémentaire. Hier, le gouvernement libéral a voté pour appuyer le plan néo-démocrate afin d'assurer que chaque Ontarien, peu importe leur âge, puisse obtenir une ordonnance et que chaque Ontarien, peu importe qui ils sont, puisse consulter un dentiste. Est-ce que ce sera dans le budget aujourd'hui? La Première ministre. Monsieur le Président, le budget sera lu cet après-midi. Et j'ai confiance que le troisième parti verra que c'est un budget progressiste qui appuie les soins dans cette province et qu'ils voteront en faveur de ce budget. Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Tout un chacun devrait être en mesure d'obtenir ses médicaments d'ordonnance et tout un chacun devrait être en mesure de consulter un dentiste. Est-ce que c'est une croyance que partage la Première ministre? La Première ministre, oui, j'y crois, mais je ne crois pas que 110 000 emplois, alors qu'il y en a des milliers, sont une universalité.
Oui, j'ai foi en l'universalité, au régime d'assurance médicaments. Nous avons agi, déjà progressé, mais 110 médicaments, ce n'est pas un régime d'assurance médicaments, Monsieur le Président. Ça n'aide personne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Recommencer la pendule. Nouvelle question. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Le gouvernement a eu 15 ans pour créer l'assurance médicaments universelle et des soins dentaires pour tout le monde. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement a ignoré ces enjeux pendant plus d'une décennie? Monsieur le Président, nous travaillons pour élargir le programme des beaux sourires et d'avoir plus d'accès aux soins dentaires. Nous savons qu'on doit en faire plus. Je dois demander à la députée d'en face pourquoi ça l'a pris jusqu'à cette semaine avant qu'il puisse soulever cet enjeu dans cette chambre. Député de Hamilton East Stoney Creek a été averti. Complémentaire. Merci, M. le Président. La Première ministre dit qu'elle croit en la possibilité de faire en sorte que ce soit disponible, que les soins dentaires soient disponibles, mais elle a fait en sorte que ce soit plus difficile d'avoir accès au programme Beau Sourire. Elle a tenté d'augmenter aussi les frais d'ordonnance des aînés il y a 2 ans. C'est simplement une tentative de gagner l'élection qu'elle offre ses promesses. Pourquoi est-ce que ça prend une élection et la fin de ce gouvernement avant de reconnaître les besoins des Ontariens? La Première ministre, elle sait très bien qu'on est en train d'élargir le programme des beaux sourires et des soins dentaires et nous savons qu'on doit en faire plus et je demande à la députée qu'elle porte attention au budget de cet après-midi et qu'elle vote pour un budget progressiste dans cette Assemblée. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Tout le monde dans cette Chambre porte grande attention à ce que vous faites. Et si le gouvernement croit en investir, il investit. Et s'il croit en les compressions, il apporte des compressions. Et le plus grand indicateur du comportement à l'avenir, c'est le comportement du passé. Le gouvernement a permis que les frais de garde soient les plus élevés. Ils ont ignoré les soins dentaires. Ils ont apporté des compressions dans l'éducation, dans les soins de santé, et ils ont augmenté les tarifs d'électricité. Vos compressions, votre privatisation et votre ignorance a entraîné beaucoup de dommages et nous n'allons pas vous laisser faire d'autres dommages. Et comment ce bilan peut-il vous satisfaire? Veuillez vous asseoir. Madame la Première ministre, Monsieur le Président, je suis très fier de faire partie d'un parti qui a toujours eu de l'éducation dans leur plateforme électorale. La dernière plateforme, je ne me souviens pas d'un seul mot de la part des néo-démocrates sur l'éducation. Et si le comportement de l'avenir peut être prédit par le comportement du passé, 600 millions de dollars vont être retirés de la santé et de l'éducation, selon les néo-démocrates. Nous avons apporté des investissements dans la santé et dans l'éducation. Année après année, nous offrons un système d'éducation à la fine pointe de la technologie, qui est de renommée internationale. Le taux de diplomation était de 68 % lorsqu'on est entré au pouvoir. Maintenant, c'est de 86 % Les gens sont diplômés et passent à l'éducation postsecondaire et ils ont accès à la gratuité scolaire grâce aux mesures que nous avons prises. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Bruce Gray-Owen-Town. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Votre discours du trône avait de grandes promesses aux voteurs. Par contre, aucun pour la collectivité de l'accessibilité. Par contre, les handicaps et l'accessibilité n'ont pas été mentionnés dans le discours du trône. L'accessibilité d'1,9 million d'Ontariens, est-ce qu'il n'est pas sous votre radar ou est-ce que ça ne fait pas partie de votre programme d'acheter des votes?
la première ministre. Je voudrais demander encore une fois aux députés d'être à la Chambre et de porter attention au budget de cet après-midi et de voter pour les mesures que nous mettons en œuvre pour aider les gens dans la province. Encore une fois, à la première ministre, le gouvernement libéral va dire n'importe quoi pour rester au pouvoir. Et on parle beaucoup de soins. Pendant 15 ans, vous avez parlé des soins, mais vous n'avez pas livré la marchandise. Et en fait, la seule chose qui vous importe, c'est de rester au pouvoir. Et le discours du trône n'avait rien en ce qui concerne l'accessibilité. Et comment est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance alors que vous les ignorez? Est-ce que c'est un autre stratagème électoral? Ministre responsable de l'accessibilité, merci. Député d'en face a été très distrait par la course à la chefferie du Parti progressiste conservateur. Mais s'il portait attention, il saurait qu'on est très actif, qu'on a lancé un programme d'emploi pour les gens qui vivent avec un handicap et qu'on a mis en œuvre deux comités des normes dans l'éducation. Il saurait aussi qu'on a eu un forum la semaine dernière pour les endroits, les établissements plus accessibles. Il saurait qu'on travaille très fort pour rendre en sorte que l'Ontario soit plus accessible, soit accessible, en fait, en 2025. Et je suis ravi de parler de tout ce que j'ai abordé et tout ce que nous sommes en train de faire pour faire la promotion de l'accessibilité et l'inclusion de tous. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Hier, la première ministre a annoncé une autre promesse pour rester au pouvoir. Son plan des soins de garde laisse pour contre plusieurs milliers de familles qui ont des enfants de moins de 2 ans et demi. Et la première ministre a permis à ce que les tarifs de soins de garde puissent continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'ils deviennent les taux les plus élevés au Canada. Si ça lui importait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas agi avant? Ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse. Merci. Je suis ravi de répondre à cette question, Monsieur le Président, parce que je veux soulever pourquoi je suis la première ministre qui est responsable de ce dossier. Donc, il y a quelques années, on m'a demandé de me pencher sur cet enjeu, de savoir comment on offre des soins de garde d'enfants. Et on nous a demandé d'ouvrir 100 000 espaces pour les enfants de moins de 5 ans et nous livrons la marchandise là-dessus. Et ensuite, on nous a demandé de transformer la façon qu'on offre les soins de garde. Le rapport de M. Cleveland a été formulé dernièrement et voici ce qu'on est en train de faire. 2,2 milliards de dollars sur 3 ans pour offrir des soins de garde gratuits pour les enfants de plus de 2 ans et demi qui va épargner aux familles 17 000 $ par enfant. La raison pour laquelle nous nous concentrons sur ce groupe d'âge, c'est parce que là est le plus grand besoin. C'est le groupe d'âge. Merci, intervention du président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la première ministre ou première ministre suppléante, les Ontariens ont grand besoin de répit lorsqu'il s'agit des frais de soins de garde, mais ce plan n'aidera pas aux familles et aux femmes qui veulent retourner au travail après leur congé de maternité. Ils ont besoin d'un plan qui aide plus que seulement les gens qui ont des enfants entre 2 ans et demi et 4 ans. Pourquoi est-ce que la première ministre et le gouvernement laissent les familles pour contre pendant les 15 dernières années et pourquoi est-ce qu'ils délaissent plusieurs familles encore maintenant? Ministre, quelques points que je voulais soulever. On m'a posé plusieurs questions avec cette seule question. Premièrement, député de Hamilton Mountain a été averti. Veuillez continuer. Premièrement, et deuxième recommandation du groupe qui a étudié réduire l'écart dans la parité salariale, c'était de présenter des soins de garde et des soutiens aux soins de garde. Et en le faisant, nous aidons les familles, bien sûr, pour qu'ils puissent se joindre à la main-d'œuvre plus rapidement. Et la deuxième partie de la question était au sujet du groupe d'âge. Je dois vous dire que maintenant, il y a 14 000 jeunes personnes dans cette
groupe d'âge. On voulait nous assurer de donner des soutiens où le plus grand besoin existait. C'était pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Et donc, c'est pour cette raison que nous le faisons. Au bout du compte, nos soutiens continuent. 90 millions de dollars pour continuer l'élargissement du programme. 53 millions. Intervention du président, député de Beaches-East-York. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Dans le plan à long terme de 2013, notre gouvernement a fait en sorte que ce soit une priorité, que les 16 collectivités des peuples autochtones aient accès au réseau d'électricité. Et dans la lettre de mandat de 2016, on a mis l'accent sur les négociations avec le gouvernement fédéral pour avoir des soutiens pour ce projet. Et nous avons affirmé l'importance de ce projet dans le plan à long terme de 2017. Je sais que c'est une grande priorité pour le ministre des Peuples autochtones et de la Réconciliation et de tous les membres du gouvernement, qui comprend les députés de Thunder Bay et les députés de Ottawa-Ouest-Nepean. Est-ce que le ministre pourrait nous donner un rapport d'étape sur tous les progrès qui ont été faits pour mettre en lien ces collectivités avec le réseau? Je voudrais remercier le député de sa question et pour son travail de militantisme. La semaine dernière, j'étais à Thunder Bay avec la première ministre et le ministre des Affaires rurales et du Développement du Nord et des Mines pour annoncer que l'Ontario et le gouvernement fédéral vont entrer en partenariat avec Watse Power pour créer des réseaux avec 16 collectivités des Premières Nations et d'avoir accès à notre réseau d'électricité. Et plusieurs de ces collectivités ont dû dépendre sur des alternatives très coûteuses, des génératrices au diesel, entre autres. En allant de l'avant, on va créer des liens avec 14 000 personnes qui seront inscrits, qui auront accès au réseau. Et avec ce processus, nous avons amélioré la qualité de vie de ces 16 000 Canadiens ou de ces 16 collectivités complémentaires. Je voudrais remercier tout le travail du ministre pour féliciter cet accord et ce réseau et de tout son travail pour faire en sorte que notre réseau est propre et abordable. Je suis fier qu'on entre avec des accords, des ententes avec les collectivités des Premières Nations. Le projet de 2023 de Watay sera le plus grand projet d'infrastructure qui est de la propriété des peuples autochtones. C'est très remarquable. Et comme la première ministre l'a dit lors de l'annonce, la réconciliation, l'équité et la justice ne sont plus seulement des mots, ce sont des gestes de la part du gouvernement et nous marchons ensemble vers cela. Notre économie croît et on veut s'assurer que toutes les collectivités puissent en tirer parti, ce qui comprend les peuples autochtones. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations pour en ce qui concerne ce que notre gouvernement fait pour permettre aux collectivités des Premières Nations d'avoir accès à notre réseau électrique? Au ministre des peuples autochtones et de la réconciliation, le partenariat Watay est un partenariat avec les Premières Nations. Il ne s'agit pas tout simplement d'embarquer sur un bulldozer du Parti conservateur. Nous ne sommes pas quelqu'un qui intimide les autres. Nous avons travaillé avec 120 Premières Nations pour les appuyer dans l'achat de 250 000 actions d'Hydro One pour leur permettre d'avoir des occasions économiques. C'est un plan que le gouvernement progressiste conservateur veut défaire en rachetant ces achats, ces actions. Notre programme de crédit avec les Premières Nations, que les deux autres partis ont voté contre, réduit les factures de 50 % des factures électriques. Notre programme de 650 millions de dollars de prêts pour les peuples autochtones est une initiative en vertu de la loi sur l'énergie verte et les conservateurs veulent l'abroger. Député de Simcoe Gray, ma question est au ministre de l'Éducation. Premièrement, je voudrais remercier la ministre suite à l'annonce du gouvernement de dire qu'ils vont acheter des terres pour la construction de l'école de Wasaga Beach. Les représentants de Wasaga et moi-même croient qu'on a les chiffres nécessaires pour accueillir une nouvelle école.
Et ça permettra aussi l'aménagement de projets immobiliers. Donc, je pose la question, est-ce que le gouvernement va financer une école de Wasaga Beach, puisque si la commission scolaire lui demande de le faire? Merci. Je voudrais remercier le député de sa question très importante. Nous reconnaissons que la collectivité de Wasaga Beach continue de croître et aussi les collectivités adjacentes. Donc, ce serait un bon endroit pour une école secondaire à l'avenir. Je comprends que la commission scolaire de Simcoe doit pouvoir planifier pour la capacité de cette école à l'avenir. Et je dois dire aux députés et à tout le monde ici que j'ai été en contact avec le conseil scolaire, la commission scolaire et le conseil municipal, mais aussi l'accommodement, l'aménagement et de la responsabilité de la commission scolaire locale et qu'ils ont déjà un emplacement pour une école scolaire, une école secondaire. Mais ce plan n'a pas encore été enregistré avec la Ville. Donc, mon ministère est prêt à offrir à la Commission scolaire du financement pour permettre cette construction. Merci. Je remercie la ministre de sa réponse. Wasaga Beach a attendu longtemps pour une école scolaire et des écoles primaires qui sont planifiées maintenant. Merci, ça va nous permettre d'avoir 4 écoles primaires, mais aucune école secondaire. Et maire et le conseil municipal veulent savoir si on peut en faire plus pour que cela devienne une réalité. À la ministre, merci. Encore une fois, nous savons que la communauté est en train de croître et c'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre de projets de 8 à 10 pour mieux répondre aux besoins de la collectivité. Et nous avons annoncé 10 millions de dollars de financement pour une école primaire et des espaces de services de garde à Wasaga Beach qui étaient nécessaires. Et je suis fier de dire qu'on l'a fait. Nous sommes ouverts à accepter une proposition du conseil pour l'emplacement d'une école. Mon ministère est prêt à offrir à le conseil d'un financement plus excédentaire pour l'emplacement de cette école, aussitôt que c'est prêt, selon ce que je comprends. Et ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour l'aménagement de ce site. Et ce que je comprends, c'est que le conseil va travailler avec la commission scolaire pour trouver l'emplacement d'une nouvelle école secondaire pour Wasaga Beach à l'avenir. Une nouvelle question, député de London Fanshawe. Ma question est à la première ministre suppléante. Dernièrement, j'ai eu une rencontre avec 34 membres de Unifor pour entendre les grandes pressions qui existent avec les PSSP dans les soins de longue durée. Ils ont parlé de tous les défis auxquels ils font face, tels que des abus verbaux et physiques. Un préposé a décrit de donner un bain à une personne avec la démence. La personne avec la démence lui a donné un coup de tête et a fendu sa lèvre. Il y a différents périls qui existent avec leur travail. Les travailleurs font de leur mieux, mais lorsqu'ils ont seulement 17 minutes avec chaque résident, ils ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins. Les libéraux ont dit du discours du trône que c'est l'occasion de prendre soin des autres. Est-ce que le gouvernement va permettre de mettre en œuvre des normes minimales de 4,1 heures par résident et mettre en œuvre la loi sur les soins de longue durée? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, je partage les préoccupations avec les préposés de soutien à la personne. Ils sont essentiels. Notre gouvernement s'assure de fournir des soins appropriés dans le contexte approprié et avec les soutiens appropriés qu'ils ont besoin. Et certainement, notre gouvernement a démontré notre engagement aux préposés de soutien à la personne partout dans la province. Nous avons apporté de grands investissements dernièrement avec les budgets de 2017, un investissement de 250 millions de dollars dans le budget de 2017-2018 pour les services de soutien à la personne. Cela comprend aussi un investissement de 10 millions de dollars pour les organismes admissibles pour la formation et l'éducation dans ce domaine de la santé avec le fonds pour les préposés de soutien à la personne. Complémentaire, il y a une pénurie des préposés
Et Nancy McMurphy, la présidente de Unifor, nous a dit que les programmes de formation sont annulés parce qu'il y a un manque d'inscription. Les gens prennent des congés parce qu'ils sont démoralisés par leur milieu de travail. Les préposés veulent faire de leur mieux. Ils veulent avoir le temps pour préparer tous les gens pour le déjeuner le matin, mais ils ne peuvent pas le faire avec 6 minutes par résident. La première ministre a dit qu'elle propose d'apporter de grands changements dans la façon que nous appuyons les autres. Ce sont de belles paroles. Est-ce que la première ministre croit que des préposés peuvent préparer quelqu'un au déjeuner en 6 minutes seulement? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle va prendre le défi de 6 minutes et de prendre une photo après 6 minutes de préparation le matin et la publier sur Facebook? Merci. Merci. Nous avons annoncé que nous offrons 15 millions d'heures de plus de soins aux résidents, notamment ceux des foyers de soins de longue durée. Donc, il y aura en moyenne 4 heures de soins par jour par résident. La députée d'en face s'intéresserait à notre budget de cet après-midi. Nous nous sommes engagés à offrir ces soutiens aux aînés et à ceux et celles qui ont besoin de ce genre de soins. Nous efforçons à garantir à ce que nous ayons suffisamment de préposés au soutien de la personne et nous voulons leur permettre d'offrir les soins nécessaires aux résidents. Nous nous attaquerons au problème bientôt. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à la ministre responsable de la petite enfance. Je sais que notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les familles puissent accéder aux soins de garde abordables, ainsi qu'au programme de la petite enfance. Nous avons hérité un système sous-financé, donc nous avons eu pour objectif de transformer le réseau de la garde. Grand nombre de familles s'installent en Ontario et ces familles me parlent des défis auxquels elles font face dans le domaine des soins de garde. Notre gouvernement, que fait-il pour s'attaquer à ce problème? Quelle était l'importance de l'annonce faite hier concernant cette question? La ministre responsable de la petite enfance, merci à la députée de Davenport de cette question. Nous savons que grand nombre de familles font face à des défis au niveau des soins de garde accrédités et abordables. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à transformer le réseau de garde en Ontario. L'annonce historique d'hier a établi notre plan de le faire. Nous avons l'intention d'offrir des places en garderie gratuitement pour des enfants d'âge préscolaire entre l'âge de 2 ans et demi et 4 ans. Et ce programme sera offert à partir de 2020. Cette étape importante rendra la vie plus facile pour des dizaines de milliers de familles ontariennes. Et notre investissement de 2,2 milliards de dollars élargira l'accès aux soins de garde abordables à l'échelle de la province. Les familles réaliseront 17 000 dollars en économie. Les parents seront en mesure de retourner au travail et les enfants auront le meilleur début possible dans la vie. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse. L'annonce d'hier est une étape transformatrice au niveau des soins de garde. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui s'est engagé à offrir les soutiens nécessaires aux familles. À mesure que nous augmentons l'accès aux soins de garde, il est également essentiel de soutenir la main-d'œuvre de la petite enfance. La ministre peut-elle élaborer quant à l'importance de l'annonce d'hier pour ces travailleurs et travailleuses? La ministre, je suis heureuse de répondre à la question. En Ontario, nous avons des milliers d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance de classe mondiale qui s'occupent de nos apprenants les plus jeunes. Mais on nous dit qu'ils font face à des défis en raison des salaires peu élevés. Hier, j'ai eu le plaisir d'annoncer que nous offrirons un meilleur salaire pour ces travailleurs à partir de 2020. Et donc, environ 20 000 travailleurs du domaine auront un salaire harmonisé au salaire des éducateurs et éducatrices de la petite enfance en maternelle. C'est une question de respect et nous permettra d'attirer des dizaines de milliers de professionnels talentueux. Nous créons des emplois et nous ajouterons 20 000 éducateurs de la petite enfance de plus.
rappeler aux députés, nous en sommes aux avertissements pendant toute la journée. Nouvelle question, la députée de Thornhill. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Le programme Mother Risk a entraîné des ruptures familiales et a été fondé sur des données tout à fait incorrectes. Le gouvernement a demandé un rapport qui porte sur ce programme problématique. Les droits de la charte se sont fait bafouer. Le ministre dira-t-il mea culpa, offrira-t-il aux familles une indemnisation ou est-ce qu'il les poursuivra en justice? Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Je remercie la commissaire de son travail. Et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de recommandations. Les recommandations de la Commission ont été acceptées par notre gouvernement. Et donc, nous sommes en mesure d'avoir un régime de bien-être de l'enfance qui accorde une priorité aux familles quant à la prise de décision. Lorsqu'une jeune personne et une famille ont des rapports avec le réseau de protection de l'enfance, elles doivent se retrouver dans une situation qui leur permet de bien naviguer le réseau. Et nous voulons faire en sorte que la jeune personne se fait respecter les droits. Le député de Dufferin-Caledon vous est averti. Merci, Monsieur le Président. Au ministre, la commission Mother Risk a mis fin à la confiance au réseau juridique, au réseau de la santé et au réseau de l'aide à l'enfance et à la jeunesse. Selon les experts, on a sous-estimé la portée des effets négatifs. Le gouvernement n'a rien dit de particulier quant à des efforts visant à améliorer la situation. Le ministre peut-il nous dire quelles mesures seront prises pour faire en sorte que les pratiques respectent les données scientifiques? Le procureur général. D'abord, je voudrais dire que la situation des familles et des enfants touchés par les échantillons fautifs de Mother Risk, cette situation me brise le cœur. Comme l'a dit le ministre, nous remercions la commissaire Beeman et sa commission du rapport important et des recommandations réfléchies. Nous acceptons toutes les recommandations qui nous offrent une voie de l'avant. Elles nous permettront de renforcer le réseau de bien-être de l'enfance et de la jeunesse pour nous permettre d'accorder une priorité aux intérêts des enfants et des familles. Notre gouvernement continuera ses services confidentiels de counseling offerts aux familles et nous créerons une équipe d'experts pour éclairer nos étapes à l'avenir. Le député d'Essex, au premier ministre suppléant. Pendant des centaines d'années, les familles de Chatham-Kent ont accédé à l'eau depuis des nappes phréatiques. Cependant, l'eau de puits de cette région est devenue impotable en raison des projets d'éoliennes de la région. Selon le gouvernement libéral, l'eau est potable. Lorsque j'ai posé cette question, on m'a expulsé de la Chambre pour avoir offert de l'eau au ministre. Je ne blâme pas le ministre car il ne voulait pas mettre en péril sa santé. Le gouvernement, pourquoi refuse-t-il de mettre en place une enquête pour protéger les résidents de la région d'un produit chimique toxique? Le ministre du Changement climatique et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, c'est une question très importante. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger la qualité de l'eau potable jusqu'à l'air et la terre. Nous prenons très au sérieux la qualité de l'eau. Et
la société sera responsable pour ces changements à la qualité de l'eau de puits. Le ministère a effectué une étude de données portant sur l'eau potable pour faire en sorte que l'eau des résidents soit potable. À date, selon notre analyse, il n'y a aucun lien entre la qualité de l'eau et les projets de construction. La société nous a informé qu'elle travaille avec les propriétaires de maisons. Elle leur offre de l'eau potable et en fait finance une analyse des puits et répondra à toutes questions posées. Nous avons également eu une excellente réunion avec les représentants de Water Wells First et le personnel du ministère a rendu public les résultats de notre réunion. Complémentaire, j'ai donné à la première ministre et au ministre une copie du rapport de EBS Structural qui ont eu le contrat pour construire des infrastructures de transport de l'électricité de ces éoliennes. Selon EBS Structural, ce n'était pas nécessaire d'utiliser des techniques traditionnelles en raison d'une contamination possible de puits. Même Hydro One était au courant que cette pratique contaminerait les puits. C'est inacceptable que le gouvernement croit Samsung plutôt que les familles de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement financera l'assainissement de ce problème et est-ce que vous avez l'impression que la schiste noire est quelque chose de potable? Restez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais réaffirmer que nous avons eu une excellente réunion avec Water Wells First il y a 2 semaines. Lors de cette réunion, nous avons partagé nos données concernant les tests effectués. Nous attendons les données de Water Wells First. Je voudrais bien y accéder, mais les données colligées par notre ministère ont été rendues publiques et partagées avec Water Wells First. Après des tests, nous n'avons trouvé aucun effet sur la qualité de l'eau reliée à la construction d'éoliennes dans la région. Je voudrais réaffirmer ma première réponse. Nous prenons très au sérieux ces préoccupations et la société sera responsable. Nouvelle question, la députée de Kingston-les-Îles. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. Je suis très fier de représenter une collectivité qui a 2 îles, l'île Wolfe et l'île Howe. Les 2 îles ont beaucoup d'excellentes cultures et d'excellents paysages. Peu étonnant donc que énormément de gens de Kingston et énormément de touristes seront à la région. L'île Amherst, juste à l'extérieur de Kingston-les-Îles, est aussi un excellent endroit touristique. Mais ces collectivités ont des besoins particuliers et ont besoin d'options de transport tout à fait particulières. Ces îles ont besoin d'un service fiable de traversier pour que les résidents des îles puissent se rendre au travail et pour que les touristes puissent visiter ces îles. La ministre peut-elle nous parler des efforts de notre gouvernement visant à améliorer le service de traversier pour les touristes et pour les résidents de ces îles? La ministre des Transports, je remercie la députée de Kingston-les-Îles de sa question. Elle fait beaucoup de militantisme pour sa collectivité. Elle a raison. Les communautés des îles Wolfe et Amherst ont des besoins particuliers. Nous avons pour obligation de répondre à ces besoins. On nous a dit que davantage de services de traversier étaient nécessaires et c'est pour ça que nous faisons un investissement de 61 millions de dollars pour acheter de nouveaux traversiers pour desservir l'île Wolfe et l'île Amherst. Les traversiers desserviront les résidents des îles et qui font leur navette journalière. Le nouveau traversier
de l'île de Wolf aura une capacité de 400 passagers et 75 véhicules. Le traversé de l'île Amherst aura une capacité de 300 passagers et de 40 véhicules. Nous savons qu'améliorer ces services de traversier offrira une meilleure service aux résidents. Merci à la ministre de cette réponse. C'est un investissement historique pour ma collectivité et s'ajoute à l'investissement de 60 millions de dollars pour la troisième traversée et pour les infrastructures de vélo. Ces bâtiments plus importants nous permettront de transporter davantage de personnes et il y aura deux traversées pour l'île Wolf, le Frontenac 2, qui dessert l'île Amherst, sera à notre disposition si nécessaire. Contrairement aux parties d'en face, nous comprenons l'effet du changement climatique. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer de polluer notre province. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Veuillez terminer. À la ministre, pourriez-vous nous donner une mise à jour quant à nos efforts visant à faire en sorte que ce traversier soutienne nos efforts en matière de durabilité? Merci à la députée de sa question. Comme elle a dit, nous prenons très au sérieux le changement climatique. Le secteur des transports contribue le tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, de l'action est nécessaire. C'est pour ça que je suis très heureuse de dire que les deux traversiers seront électriques, les premiers du genre du pays. Les traversiers électrifiés nous permettront de baisser les émissions de gaz à effet de serre en enlevant l'équivalent de 1350 véhicules de la route. Les conservateurs refusent d'agir, mais nous avons un plan pour réduire l'embouteillage ainsi que de protéger l'environnement. Quel que soit l'endroit de votre résidence, notre gouvernement s'engage à offrir des options propres pour vous permettre d'avoir une excellente navette. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Caledon. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Deux années après avoir adopté des éléments de mon projet de loi concernant l'agrégat recyclé, certains organismes gouvernementaux n'utilisent pas l'agrégat recyclé. Selon Recyclage de l'agrégat Ontario, Infrastructure Ontario et Metrolinx ne se servent pas de l'agrégat recyclé pour le projet d'infrastructure. Comme l'a dit le commissaire à l'environnement, Metrolinx devrait être aux avant-postes au niveau de l'approvisionnement vert, surtout au niveau de l'agrégat. Le ministre demandera-t-il à Infrastructure Ontario et à Metrolinx d'utiliser autant d'agrégats recyclés que possible? Le ministre de l'Infrastructure. Je remercie la députée de sa question. Infrastructure Ontario fait énormément de projets de construction et d'approvisionnement. Infrastructure Ontario utilise les normes les plus élevées et donc je vais leur parler de cet enjeu. Je comprends les préoccupations de la députée d'en face et je vais lui faire un suivi sous forme de séance d'information technique et peut-être j'organiserai une réunion avec Infrastructure Ontario pour étudier cette question. Complémentaire. C'est impossible de dire que l'agrégat recyclé est pire que l'agrégat non recyclé. Le ministre n'a parlé que de la sensibilisation à cette question, mais selon Recyclage de l'agrégat Ontario, au-delà du ministère des Transports, il n'y a aucun leadership quant aux pratiques de construction durable. Selon le commissaire à l'environnement, malgré le fait qu'il y a beaucoup de façons d'utiliser l'agrégat recyclé, Metrolinx ne l'utilise pas pour construire ou pour entretenir des stationnements. Le gouvernement de l'Ontario est le premier consommateur
de l'agrégat en Ontario et donc a la responsabilité d'utiliser cette ressource de manière durable. Le ministre fera-t-il en sorte que l'agrégat recyclé soit utilisé pour les projets publics? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de sa question. Lorsque nous étudions la loi sur l'agrégat, on a beaucoup parlé de l'agrégat recyclé. Il y a plusieurs carrières qui augmentent l'approvisionnement en agrégat recyclé et on utilise de plus en plus souvent l'agrégat recyclé. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours approprié pour tous les projets publics. Nous avons l'intention d'augmenter l'utilisation de l'agrégat recyclé, mais quant aux projets importants de Metrolinx et de notre gouvernement, nous continuons de faire en sorte que les produits de haute qualité soient utilisés. Plusieurs projets incluent un plan concernant cette question et parfois l'agrégat recyclé n'est pas approprié. Nous continuons d'effectuer des projets de haute qualité. Député d'Algoma, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Votre forêt est en train de démanteler les tours radio dans ma circonscription. Ils ont refusé que ces services soient transférés dans cette tour. Nous sommes à 2 semaines du démantèlement de cette tour. Est-ce que le gouvernement est prêt à aider le comté de Wright River, ministre des Richesses naturelles et des Forêts? Thank you for the question. Les ministères exploitent certaines tours radio et nous sommes prêts. Nous essayons d'être prêts pour la saison de l'été. L'enjeu qu'il y avait un risque pour la sécurité. Voilà pourquoi que cette tour devait être démantelée. Je pense que notre première obligation, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et que la tour était surchargée et que la glace pouvait entraîner sa chute. Nous voulons nous assurer de la sécurité. Voilà pourquoi complémentaire. Le comté de White River est situé le long de l'autoroute 13 canadienne. Le système d'incendie assure un service de prévention ainsi que pour les motoristes. Qu'allez-vous faire pour cette section de l'Ontario en ne transférant pas le radio sur la nouvelle tour? Le gouvernement met à risque les personnes de l'Ontario qui passent par ce tronçon de l'autoroute Canada. Comment le gouvernement protège les Ontariens si la radio fréquente du service d'incendie n'est pas transférée sur cette tour? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Ministre, je serais heureuse de parler avec le député qui est inquiet. Mais l'information que j'ai à ma disposition est que les services sont transférés ou basculés sur une autre tour. Peut-être qu'on pourra avoir une discussion pour savoir si l'information est juste. Et la préoccupation était la sécurité et continue. Et nous voulons intervenir quant aux besoins des collectivités. Député de Barrie, merci. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'Environnement. Notre gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'air en Ontario. Voilà pourquoi la semaine dernière, l'Ontario a déposé des nouvelles normes pour le dioxyde de sulfure. La nouvelle norme est plus forte et plus rigoureuse que les dernières normes pour mieux protéger l'environnement et la qualité de vie des Ontariens. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment les nouvelles normes pour que le dioxyde de sulfure pour améliorer la qualité de l'air en Ontario? Ministre de l'Environnement est responsable des mesures en matière de dérèglement climatique. Merci à la députée de Barrie pour sa question. Comme la députée l'a mentionné,
Nous voulons prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'air en Ontario. Voilà pourquoi on fait de nouvelles normes en matière de dioxyde de sulfure pour s'assurer que chaque personne en Ontario respire de l'air propre. Avec ces nouvelles normes, nous voulons diminuer les polluants des secteurs industriels pour mieux protéger l'environnement et la santé. Le projet de loi sur les normes antérieures pour diminuer les polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air en Ontario, comme l'élimination de la génération d'électricité à partir du charbon. Nous continuons à prendre des mesures pour s'assurer que tout et chacun en Ontario respire de l'air propre. Comme je l'ai dit au cours de la dernière réponse, c'est un rôle essentiel du gouvernement complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour cette réponse. Je sais que c'est un enjeu important pour tout et chacun en Ontario, particulièrement pour les gens de ma circonscription. L'élimination des centrales au charbon était l'une des plus grandes initiatives écologiques en Amérique du Nord. Depuis 2005, on a vu les niveaux de smog ou de polluants atmosphériques dans l'air diminuer. En 2005, il y avait 32 journées de polluants atmosphériques. En 2013, il y avait zéro journée de polluants atmosphériques. Nous voulons améliorer la qualité de l'air et cela a une différence sur la vie, à économiser des milliards de dollars en matière du réseau de la santé. Les Ontariens respirent mieux. Est-ce que le ministre peut-il expliquer que l'Ontario est considéré comme leader en matière de diminution des polluants atmosphériques? Merci à la députée pour cette question essentielle. L'élimination des centrales au charbon pour produire de l'électricité est une mesure importante, mais on savait que ce n'était pas suffisant. Voilà pourquoi nous avons émis un plafond sur les dioxydes de sulfure. Nous investissons toutes les recettes de ce programme dans des mesures écologiques pour diminuer les polluants atmosphériques dans l'atmosphère. Vous comparez avec ce qu'on fait et avec ce que les conservateurs proposent, parce que pour eux, ils ne feront rien. Ils ne pensent même pas qu'il y a un dérèglement climatique. En fait, je dirais ceci. Maintenant, le moment n'est pas venu de faire des coupures. Lorsque les familles en ont besoin, le moment était venu d'investir. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, sa Chambre ajourne donc ses travaux jusqu'à 15 heures.